voiture privée, yo déposé yo sous frontière Pérou. Ça fait trois villes. Ça fait trois pays. Yo payé en 300 et 400 dollars américains. Yo tan encore en nuit avant yo continuer Golgotha ça. Quatrième étape. De Pérou, yo prend l'autre bus pour aller sous frontière Équateur. Yo payé encore 400 dollars américains par personne. Cinquième étape. 64 haïtiens sont arrivés dans l'Équateur. Yo tant nan nuit à veiller. Tout le monde tête baissée, couché dans la rage. Youn sous l'autre. Yo prend bus, yo mette au kankou sardine. Bus ta fait 48 heures sous route avec yo, yo mené yo sous frontière Colombie. Et là, yo fait yo payer yo chaque 600 dollars américains. Ti moun tankou grand moun. Route ça pas de facile. Son parcours très dur. Les arrivé Colombie, bus ta déposé yo bon ou l'en met. Pendant bon l'en met, a gardé yo en fleuve qui lié deux espaces et puis yo di yo ça c'est canal du vent qui là. Nous sommes ça seule façon pour sortir pour accéder à l'autre étape là. C'est par mer ou qu'a passé. Et nek ka fait trafic yo, yo déjà là sous bateau yap tan yo. Ainsi yo rale kobe yo décidé yo bay yo chaque 120 dollars américains et yo fait 2 heures de temps sous la mer nan ti bateau que nous rele bois fouye yo. Yo traversé avec yo et yo arrivé sous frontière Panama. Walter a continué pérégrination 64 haïtiens. Là arrivé sous frontière Panama, yo touché la terre et là gon guide parce que négocié business a fait. Guide là tanyo. Yo paye guide là 200 dollars par personne. Guide là commencé faire route avec yo à pied. Après parcours 3 heures de marche, guide là dit yo moi fini, moi montrer nous route là. Ça n'a fait. Nous pas jamais tourner à droite. Toute route là n'a fait net, tout côté à gauche. Virer à gauche. C'est route là ça. Guide là prend 200, guide là prend 200 dollars par tête de bétail. Et c'est route ça, il prend chaque côté au virer, il y a un Y à gauche. Il y a un autre Y à gauche. Et c'est route ça qui peut mener au non espace qui est le premier camp des réfugiés au Panama. Mais faut me dire nous internautes, auditeurs, téléspectateurs, pour arriver dans le premier réfugié, c'est là histoire pour être difficile. Marie Saint-Une. C'est un groupe monde. Non, forme Walter. Ok. C'est un groupe monde. Pour faire route ça, il faut comprendre. 7 jours que a marché. Yo dormi nan rage. Yo bay de l'eau. Yo bay manje. Rad sou yo déchiré. Yo déshydraté. Yo passé 7 jours. Gen groupe moun ki pa ka marché. Ki passé 10. Gen un troisième groupe ki passé 12. Nan 12 sa yo. Ou a besoin 80% de monde qui est en mouche.
Ô mort, dirait le poète, où est ta victoire? Pendant 7, 10 ou 12 jours que a marché, que Haïtien frère nous, a marché dans la gloire. Je traversais monde. Je traversais forêt qui est en pile bête sauvage. Ils sont, pour la plupart, disons, ils sont entre ciel et terre. Et vous attendez cris bêtes ou bien bruit vent qui a frappé dans le fer et bois. C'est une aventure ça. Pendant un monde, il y a monté, il y a regardé la lune, il y a regardé le soleil, la pluie mouillée. Yo. C'est pendant un bois, le croisé avec des voleurs, lourdement armés. Mon premier groupe qui était entre 7 et 8 ans. Gros âme. Ils ont violé les femmes. Sœur nous, avec maman. Ils ont violé les garçons. Frère nous, avec papa nous. Ils ont violé toutes les jeunes femmes qui ont joué. Qui étaient entre 8 ans. Ak plus. Ils ont violé toutes devant toutes 64 moun sa yo qui ont cherché la vie. Ils ont pris tout le corps de sur yo. Ils ont pris tout manger yo gen sur yo. Il y a pile nan yo qui criait garçon ou femme. Mais femme dit nous, depuis le sorti Chili, yo te kon histoire déjà. Femme à garçon, te marché avec condom, capote. Le ou barré avec negyo, yo di negyo, men capote. Et gan pile nan yo, ki pa vle mette capote. Yo te oblige, fèl comme ça. Triste réalité, direz-vous. Arrivé au premier camp des réfugiés, au niveau de Panama, ils ont été accueillis par l'État. Ou des militaires panaméens. Après toute période dans ça, d'humiliation, de vol, de viol et de déshumanisation. Mais que ça, il y a un kit à Panama. Premier camp, il y a un kit qui est du riz, ben, saumon, sardine, pâte tomate, etc. Il a fait 22 jours dans le premier camp réfugié. De là, les militaires ont accompagné son petit bateau, ce que les bois fouillés, pour mener dans le deuxième camp réfugié dans Panama. Les arrivés, ils ont fait 3 jours dans le deuxième camp et ils ont transféré par terre un petit bus qui passait 24 heures sur route là avant pour arriver dans le troisième camp réfugié. Toujours frère nous qui a passé misère comme ça parce qu'il a cherché la terre promise. Arrivé au troisième camp, il a payé $100 US par réfugié. Mais pas oublier, voler, il a volé tout comme déjà. Pendant que l'autre bois, il a cherché à monter sous deux mondes avec Guidio, il a passé au téléphone, il a relé mon lacayo, il a dit qu'il n'y a pas de comme, il a transféré comme bouillot. Et les chercher comme ça, côté OEA, moun ka prendre pour yo, sous chaque $100, moun en prend $25 américains. Ah. Vive papa de Saline. Les arrivés dans le troisième camp, militaire panaméen, yo conduit yo devant tuile, avait dit, barrage qu'on ouvre qui fait yo, yo que considéré comme un barrage. Ils traversaient tu là, ils sautaient et ils tombaient sur route. Les arrivés sur route ça, t'as un bus
qui est des gens spécialisés dans le voyage clandestin, qui déjà là, captain nous. Vous payez 50 dollars par chauffeur pour chauffeur mener au Costa Rica. Vous passez une semaine au Costa Rica. Vous tapez. Parce que Costa Rica a un papier certifié pour permettre de traverser la prochaine étape là. Yo tan, yo bay au papier et puis qu'on y a là papier papier ça, yo mené au sous frontière Honduras. Pour aller Honduras, yo payé 200 dollars américains. De Honduras, yo prend un autre bus qui mené au dans frontière Guatemala. Mais pas oublier, yo chaque des certificats dans la mer. C'est l'histoire des 64 réfugiés haïtiens. À la frontière du Guatemala, ils ont payé un guide, encore un guide, qui conduit dans la frontière Mexique. Ils ont payé un frais de 70 et 80 dollars. D'après ça, ils ont expliqué à Scoop. Dans la frontière Mexique, yo paye chaque grand monde, petit monde, garçon, femme, yo paye 420 dollars américains par personne pour déposer yo dans la capitale là qui c'est Mexico. Et y aller dans machine privée. Tout le monde couché net à terre, plat à terre dans machine privée yo. Parce que nous avons organisé voyage pour la police mexicaine pas ouais monde ça. Les arrivés dans la commune qui est le Papachula, ils ont passé 2 mois à obtenir documents dans le Papachula que le gouvernement mexicain prend le bail. Ils ont pas payé un goutte. Par contre, ils ont été bien accueillis par une organisation qui est ACNUL. Ces organisations, ça, sont organisations de réfugiés qui baillent chaque haïtien 120 dollars. Et si son famille, qui a plusieurs, yo ba yo famille yo 300 dollars américains. Après 2 mois de détention, yo mené yo un petit crash plus près frontière États-Unis. Ça veut dire sur disons au Texas. Maintenant zone ça relé Acuña. Yo accueilli par des militaires américains. Yo recevoir au centre de détention. Ils ont passé 8 jours dans Acuña. Sans manger. Sans bosser bouche. Sans baigner. Avec même la glace, ils ont déchiré. Ils ont saisi tout ça. Ils ont senti du. Comment côté à aller encore ma conso suspiante. Gagné tellement pas qu'à résister, il est indisposé. Il pas qu'à prendre ça de quoi. Après 8 jours de détention, il est transféré dans prison Texas. Il a enchaîné pied yo. Il a enchaîné main yo, c'est pas menotte. Enchaîné comme des esclaves. Ils l'ont transféré aussi pas gagner assez prison pour mettre au côté à mener yo, yo transféré dans avion Georgia ou bien transféré dans l'autre prison qui est aux États-Unis. Dans ce groupe de 64 réfugiés, ils ont passé 2 mois dans prison Georgia. Ils ont un médecin 2 fois par jour et ils ont mangé, ils étaient bien traités yo dans prison Georgia. Après Georgia, ils ont libéré yo. Yo les familles yo. Fami yo vin chache yo fon ID pou yo. Et jodi a gen 62 la dan yo ki devan la justice yo la gen aux États-Unis, yo gen pareil papier pou fè TPS. Mais gen 2 lot ke yo vont retourner dans 64 la, ki 62 parce que la prison te mete yo, y a le goumen. Et dans prison yo, l'ont rentré dans prison yo.
d'après témoignage, je le marque, zéro tolérance. Ou pas pour parler avec personne. Ou pas pour garder chef yo, tête ou fait pour à tête. Yo bon manger dans la prison. Si manger pas bon pour vous, compte, yo ouvert pour vous. Ou vous voyez le compte en bas de famille, famou qui va voir l'argent bas ou sous compte ça, et puis si vous voulez si vous pouvez pas manger dans la prison, manger au bas ou utiliser l'argent ou acheter manger. Vous faites vous sortir chaque matin pour aller faire sport, vous bah vous mangez à 4h du matin, vous bah vous mangez à 1h p.m. à 5h p.m. Voyage ça a coûté environ, yo chaque $10,000 américains dans le corps dépensé et dans le corps volé. Je dis à vu importance, premier groupe ça qui était passé là, si on refait circuit ça encore, comme la multiplié par 2, la multiplié par 3, parce que c'est le seul circuit qui te baille possibilité pour nous ça revient de papier. L'autre monde qui suit, yo pas suivre circuit, l'autre monde qui sont tout côté, yo, c'est yo qui en bas pont. Et c'est le groupe monde ça qui arrive, qui fait qu'on est, que nous arrivons, tout le monde a dégagé pour arriver, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi, il y a un bâton. Et ce sont ces Haïtiens, ces réfugiés qui sont au nombre de 13 000, qui en bâton. Et il n'y a pas de papier, parce que les gens qui sont en prison, il n'y a pas de retourner. Les gens qui sont dehors, tout campé au barré, il y a de retourner dans tout le pays, pas seul Haïtien qui l'a. Des Brésiliens là. Ok? Des Nicaraguayens là. Des Colombiens là. Donc, des Cubains là. Donc, ça veut dire, il y a pour tout le monde, ça retourne tout parce que il n'y a pas de suivre le processus là. Et c'est Haïtien ça, au frère d'action, qui est dans une situation difficile et que depuis dimanche, il a commencé à voir tourner bas nous en Haïti. Et nous disons, nous, il y a humilié nous. Mais histoire, 64 réfugiés haïtiens qui jouent la terre promise, reste moun yo, 9 000, 10 000 moun, qui en bas pour yo, 13 000 moun, yo dit, gen 8 000, 9 000 haïtiens, yo même yo pas qui est arrivé parce qu'il y a cherché une vie meilleure. Mais nous autres, nous sommes des haïtiens à part entière. Nous avons des autorités avec nous, qui l'a avec nous dans le pays. Nous dit, nous en démocratie, nous dit, n'a fait payer. Oui. Nous dit, faut que l'autre l'État. Nous dit, faut que l'État qui a pris responsabilité citoyen, qui a gardé le pays à l'autre gens. Je dis, on a recevoir des responsables, des gens qui ont réfléchi. Tout d'abord, nous allons commencer par recevoir le sénateur, l'un des sénateurs de l'Ouest, ou le sénateur de l'Ouest en fonction, mandat pour qu'on finisse, c'est le sénateur Patrice Dumont. Nous prenons le bal 10 minutes. Pour l'exposer sous question ça, comment sent-il, comment n'amener Shell comme professeur, qui ça loue pour payer ça et comment on peut arriver à solutionner tout au moins problème ça pour permettre nous de rejoindre dignité qui passait en bas pied et que nous prenons soufflette tout le temps, mais soufflette ça, son soufflette en plus. Professeur Dumont, bonsoir. Bonsoir, Olivier Paul-Charles. Bonsoir, tout haïtien, captain de Scoop FM partout à travers le monde. Bonsoir, tout haïtien, qui haïtien tout bon. Il y a plusieurs façons pour le monde aborder des questions, ça. Ou même, ou aborder des questions, hein, de manière journalistique. Ou faire investigation, ou parler avec le monde. Qui vivent drame et sous ce dit là parce que moi-même tout moi prends information même pas qu'on est capable de faire de manière aussi profonde que vous-même moi trouvé que c'est un travail remarquable vous faire pas gain accent aigu pour mon métier vous mettez tout ça pour te mettre yo compliment bel travail moi t'as aimé fait haïtien yo connaît de ça qui passe sous planète là et depuis
sous-tan Rome, avant Rome, de ton Carthage, la Prusse, peuple a déplacé de nord au sud, de l'est à l'ouest, le phénomène de la migration s'est toujours existé. Donc, sous point ça, nous pas seul peuple qui plaide marcher à chercher la vie. M'a baillé un seul gros exemple. Toute recherche historique qui fait, qui côté peuple amérindien yo, sorti, tout te côté nous y a, tout te connaît le Malien, le Zaragoa, nous connaît Anacaona, nous connaît donc tout chef indien yo, peuple ta côté le sorti, tout le monde croit, c'est un demeure qui gagnait entre l'Asie et l'Amérique, là, le détroit de Bering. C'est par là, ils ont passé jusqu'à ce que Pluvin couvrit Amérique, là. Et ensuite, qu'il y a Européen, Christophe Colomb, vini eux-mêmes, de touiller tout ce qui a gagné en Haïti, par exemple. Mais ils n'ont pas arrivé à touiller toute l'air. C'est ainsi que jusqu'à présent, aux États-Unis, gagner les Sioux, gagner les Séminoles, gagner les Apaches, nous faire les Indiens. Donc, nous payons exception. Égalité Rochal, ce qu'il a à l'heure, gagner Brésilien, gagner Vénézuélien, gagner Dominicain, gagner ici de l'Obor, minimum le plus. Deuxièmement, nous pas toujours un peuple migrant. Nous commençons à marcher Kaimoun en 1896, lorsque le gouvernement qui est déjà Simon Samna a fini, et puis on vient tomber dans le nord, et puis Antoine Simon, et surtout, pendant l'occupation américaine, nous prenons commencer à aller à Cuba, à Copécon. Et pas oublier tout le monde qui est arrivé dans le second retour, il était au moins, il était dans un professeur qui parlait du gouverneur de la Rosée. Principal personnage roman, Jacques Roumer. C'est Manuel. Manuel, c'est Cuba, il sort. Il se coupe quand, et c'est l'aile retournée, il joue un pays à Pablo, Katia, Kaili, Papon. Il remet avec Anaïs, et puis il fait mon Antonio pour aller chercher de l'eau à nos comptages, parce que nous, les gouverneurs de la Rosée. Et, Américains, par les statistiques, ils ont dit 200 000 Haïtiens qui sont à Cuba. Mais Cuba eux-mêmes dit, il y a deux gros États, il y a les provinces, deux gros États Camagüey avec Oriente. Dans la ville de Santiago, Dos Palmas, Guantanamo, Holguín, il y a plus de 600 000 Haïtiens qui, de 1896 à 1931, allaient vivre Cuba. Il y a le coupé quand il y a tout été. Et il quitte autour. Et bien, Haïtien qui a joué au football à Cuba. Ce sont Alette, Antoine Tassi, qui a joué à Cuba. Haïtien, tu connais raconter ça. Haïtien continue de manger pour le prince au cours des années 50. Et puis, il y a le boué cola, il y a le boué bien, il y a le boué whisky à l'avant. Pourquoi ça? De 1804. À 1874. C'est nous-mêmes qui avons dominé l'île là. Jusqu'en 1874, c'est Dominique qui vient là, qui est nous. Nous ne pas occupés, ils étaient fondés dans nous. Ils ont toujours dit occupés, mais c'est pas, nous ne pas marcher, prendre, nous ne pas nous occuper, nous ne pas jamais qu'ils étaient occupés, non. Donc, Dominique, ils étaient venus pour le prince.
tu es allé au cap, tu es allé à l'armée parce que tu as cherché la vie. Après 1874, bah, la honte j'ai baissé. Et en 1952, Paul Magloire signé premier contrat avec le gouvernement dominicain sous président Ignacio González pour Haïti en coupe en République dominicaine. Il y a les 50% tourné, 50% arrêté. Il continue à faire lui. C'est gagné un négo les Garcia Marquez. Il donne même nom avec écrivain colombien, mais c'est pas ça le dit. Il était propriétaire de la compagnie autobus. L'homme où était haïtien allé en République dominicaine à le couper comme sous ma gloire. C'est un autobus normal, bordel. Parce qu'il n'a pas de bon nom, le bateau. Il n'a pas de jambe dans le bateau. Mais c'est du mal d'une clavelle. Il a entré dans le contrat. Il a dit que Marquez n'est pas capable de gagner l'exclusivité. Il a pris un haïtien. Yo mette yo pile sous pile. Yo même monte yo. Non. La pile. Ça veut dire que la pile a tombé et tout. Soleil a mangé jusqu'à ce que yo arrive. Haïti fait ça. Chef Haïti. Parce que yo besoin fait comme là. Mais pour faire comme là, yo petit condition, depuis que comme là yo fait, eh bien Haïti yo met tous les bêtes. Haïti yo met tous les cochons. C'est sous du valier. Yo crée à ze bagaïta. Qui fait que même ma mère, qui va être en 1958, et toutes les gréogales, toutes les croix des bouquets, qui, en 1970, sont capables de gagner 12 ans, les petits gréogales, ont gagné 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, mais ouais, ça a été l'esclavage là. C'est en 1986 que des autres ont fini dans le pays. Ils n'ont pas broté haïtiens, tant qu'on esclave encore, pas gagné contrat encore entre haïtiens et le République dominicaine. Haïtiens toujours continuent à passer en bas file parce que les frontières n'ont pas contrôlé. C'est nous-mêmes qui allons à la République dominicaine. Il faut nous dire, si c'est vrai, nous passons misère sous vous pour aller aux États-Unis. Nous passons misère Guadeloupe Martinique. Nous passons misère scandale Carlos Boss et Bahamas. Nous passons misère en République dominicaine. Nous allons tout côté, nous tendons nos dix. Nous sommes capables de viser pour ça, nous capables d'aller. Nous pas besoin qu'on est. Et puis nous quitter Haïti, c'est bon. Mais là encore, nous te disons de manière universelle, tous les peuples comptent à la migration. Mais qu'on y a, pas nous, côté nous, mais nous faisons là. Nous faisons le Cuba, nous faisons l'exemple Cuba, nous faisons l'exemple République dominicaine. Paquet, nous devons aller. Mais paquet dominicain, nous devons aller tout, passer le canal de la Mona pour aller au Porto Rico. Paquet guatemaltec, traverser frontière, ça là. Égalité pour Charles, j'ai parlé de frontières. Justement, c'est avant-dernière étape là, Guatemala. C'est Guatemala qui plus au nord et puis qui donc qui vide le continent frontière avec Mexique. Là, ça, il y a le tour local qui était des villes de Coutecon, Ouman, sous frontière Mexique-Guatemala, Carmen, et puis tout, il y a le tomber. Donc, Mexique, c'est dernière étape là avant de tomber. Aux États-Unis, sous frontière, ton constat, nous te voyons, t'exaste en bas pour moi. Mais c'est qu'on s'allie tout avec un paquet de pays, mais je dis là, Turc, un paquet de pays qui allait en Turquie, mais tu que tout le temps, il fallait traverser, aller en Allemagne. Maintenant, mon panouille là, même, généralisation ça, mon voyons le cas du Venezuela, que organisation politique internationale là, et une folie idéologique, je dis bien son folie idéologique,
Parce que période Chavez, là, c'est pas même bagaille avec période Castro. Chavez, pas considéré économie du tout dans l'idéologie. Hein. Ou passer en Argentine, ou passer au Chili, ou passer en Équateur, c'est vénézuélienne, c'est vénézuélien, ou ouais, qu'a fait tout petit job. Alors que le monde, ça y est, c'est le monde qui était dans l'affaire bon. Question pour nous poser. Donc, pour nous poser deux questions. Première question, l'on entendait brésilien le bagaille ça a tout. Brésilien a quitté Brésil pour traverser l'île en Guyane. Tout en France. Où était trois minutes, professeur, pour terminer avec intervention. L'on entendait des Vénézuéliens qui n'ont pas finisé. C'est pour nous dire nous-mêmes, par rapport à l'autre pays qui a passé l'idée ça, qui est qui pile mal en termes économiques? C'est nous-mêmes. Mais si on même juste au niveau côté UA, Mexique par rapport aux États-Unis, si on même nous disait ça, puis, pour combien d'années nous en prenons pour nous sortir de ça? On était, ouais, tal en mission diplomatique auprès de l'autorité chilienne. Moi, j'étais venu, moi, discuté avec eux. Le peu que nous étions capables de faire pour une petite amélioration dans l'accueil haïtien, Pépé, ne suffit pas. Pépé, nous étions 5 mounes, nous étions 10 minutes, même on l'a dit. Non, et je ne sais pas si c'est capable de nous dire, nous étions 3 minutes, nous étions 30 secondes là. Ok, d'accord. Nous étions 2 et demi. Kounia, comment on fait améliorer les conditions de vie à Haïti? Il y a deux voies. Deux voies à partir de 1973, Haïti, non, à partir de 1981, Haïti prend voie, mais renforcée à faire toile-là, à tout ça que nous gagnons dans sous-traitance-là, et puis qu'à craser l'économie agraire-là. Soit ça, l'immenez-nous côté nous y a là. Attention, grosso modo, hein, il va prendre chaque président qui passe, chaque ministre qui passe, grosso modo, c'est soit macro-économique. C'est soit macro-production que nous faisons. Et qui mène tout bidonville, ça y est, qui gagne, c'est pas pour vous, c'est pas que bidonville, non. Au cap de bidonville, les organes de bidonville, les Okaïs gagnés, Gonaïve gagné. C'est la misère que le système n'a pas. Gon économie sur le Lunda, qui travaille en pile sous Haïti, donc d'origine viking, d'origine donc scandinave, mais il travaille en pile sous Haïti. Monsieur, vous, et où est-ce que nous faire? Ça veut dire que d'après lui-même, il y a trop Haïti qui travaille dans l'agriculture. Nous-mêmes, nous vivons misère. Je vous dis, hein, nous devons cette question. Deuxième question, donc, quel choix faire pour que nous vivions, même si c'est dans le deuxième même lieu, mais pas exclu industrialisation. Gomba Gayouele, industrialisation par invitation. Ça veut dire que Américains décidaient, ok, il y a pas où, on a avantage dans toile là. Donc, c'est ça qu'ils décidaient, alors qu'on voit le béton là. C'est Américains décidaient, libre à eux, voyez, du riz à l'organisation, à bon marché pour vous. Et puis c'est ça qu'on a créé là. Donc, pendant que j'étais une minute là, m'a dit que nous ne sommes pas capables de pas travailler sous industrialisation, mais en même temps, il faut que nous travaillions sous reconquête de la terre haïtienne pour nous capables gagner une production agricole qui de qualité, qui pas nos paroles OGM et qui capable de permettre que des petites entreprises, moyennes entreprises, produisent
et des denrées que moun a cherché. Mais quand on a besoin de corps pour nous financer ça, on a besoin de corps là d'abord nos efforts nationaux et puis à partir de l'effort national là, on a besoin de sur les marchés internationaux et dans le cadre de la coopération traditionnelle, tout. Parce que lorsque, ouais, 29 milliards de gouttes qui ont gaspillé dans l'entreprise autonome, lorsque, ouais, 500 millions de dollars qui ont gaspillé sous frontière haïtano-dominicaine, lorsque, ouais, même comme que nous, comme aide budgétaire de l'Union européenne, nous, c'est vagabond volé, lorsque, ouais, que comme c'est hieras là, deux fois comme là, dans 10 milliards, en 5 milliards, particulièrement Sackington était responsable là, a été pas des forces, nous étions des fonds, pour nous être capables nous-mêmes, gérer comme nous. Si nous-mêmes nous gérer, eh bien, on va gérer nous-mêmes. C'est notre arme où nous vivons. D'accord. À partir du moment où nous songeons que le n'a dirigé, mais c'est nous n'a dirigé, pour nous n'a dirigé, c'est nous-mêmes que nous y est. Je sais, nous c'est nous tous ces haïtiens, nous pas capables de prendre 99 pour 5 et puis nous pour 5 millions. Très bien. Merci, Opil. Pepe. C'est mon premier tour. Merci pour t'inviter. D'accord, merci. Donc, Marco, difficile, excessivement difficile par rapport à la situation Mounio. Et gens nous-mêmes, nous voulons aborder des questions pour nous chercher, pour nous essayer d'avoir des solutions à partir d'analyses et de propositions des acteurs et des personnalités crédibles de la société haïtienne. Bon, bah c'est ça que nous faisons. Nous avons parlé sur ça avec Thomas Lalim, petit monsieur. Donc, nous trouvons son peuple qui parle en pile. Il y a un problème, on l'a résolu à l'américaine, à l'américaine très pragmatique. Mais nous-mêmes, nous tout fait littérature autour de tout. Et au fait, nous pas résoudre rien comme problème. Monsieur dit c'est français qui te colonise nous. Français vous parlez en pile tout. Donc c'est de eux même nous prend ça. Donc problème nous gain là aujourd'hui a faut que nous gain des monde qui pragmatique et puis qui caborder pour nous résoudre parce que problème nous gain là est grave et bien content on va inviter eux. Donc avec invité au plus ou moins pour qui côté nous et nous a déterminer tout qui escapé de eux. Résoudre problème que vous gagnez aujourd'hui, parce que aujourd'hui Haïti gagne un pile problème et nous gagnons des problèmes que peut-être 40 ans 50 ans avant que nous pas gagner et bah il très grave ça n'a pas et y a un problème qui nous constate encore tout nous plus afficher monde pour nous accuser hein? Au lieu nous prendre responsabilité donc en nous continuant tant d'inviter yo y en a dit là donc au moins nous ouais, fait nous idée c'est ça parce que Zantra nous a déchiré, je vous explique que là, il a violé famille nous, c'est-à-dire nous avons une situation extrêmement grave. Côté tout, nous venons gagner un président mouri, nous gagnons un tremblement de tête passé, nous gagnons l'appui, nous gagnons l'état qui a failli, nous gagnons l'institution, le palace, et puis, il y a, mais, peuple nous moins comme si, il est en misère. Maintenant, après les explications, ou combien. Et éloquente et pointue du professeur Patrice Dumont, nous allons recevoir le député Jerry Tardieu, donc écrivain, constitutionnaliste, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, une certaine pointure au niveau de la diaspora, parce que nous savons aussi que la diaspora a besoin d'aller pour chercher la vie meilleure. Jerry Tardieu, comment est-ce que toi tu vois la situation et comment on est capable d'analyser la problématique de façon à ce que on capable faire une proposition par rapport à toute cette guerre, puisqu'en fait, on est pour répondre à la question ça devant la diaspora, l'organe pour compatible, parce que nous connaissons toujours là avec eux et surtout avec Genio, l'université. Jerry Tardieu, bonsoir. Bonsoir, Gary Pierre-Paul Charles. Je salue tous les amis sous panel là. Sans qu'aucun chien de plaisir et pour me parler avec nous, même les entrailles nous apprécient. Et il était important pour nous porter quelques précisions sur comment nous voyons question et qui ça pour nous faire pour nous sortir dans sa nouille là. En fait, moi, je me sens moins indigné. J'ai un pile colère, un pile tristesse. Nous fâchons même. Il y a plusieurs sentiments qui traversent nous devant drame ça. D'abord, comme haïtien, Gary Pierre-Paul Charles. Nous fâchons de nous regarder l'image qui vient de joindre nous sur Texas. L'image, ça, il fait nous songer tant longtemps. Côté colon, t'es qu'on l'autre,
grand papa nous grand nous ouais pour faire va faire jardin pour faire travail forcé pour faire passer misère depuis ou gen sang de Saline Capral Amon Christophe tout ça que ba nous l'indépendance vous comprenez que c'est Clairvaux Geoffroy Gaba que c'est papa nation de Saline ou pas ka pa gen caisse série ou pas ka pa indigné l'on regarde image ça qui fait nous remonter 200 ans en arrière. Et nous fâchons tout comme nous noirs. Moi-même, je fait en 1967. Les années 60, c'est la bataille pour les droits civils et politiques des noirs aux États-Unis. Donc, nous me songeons de mes vacances qu'un scoff m'a regardé dans la télévision noir et blanc. Il y a qui était frappé comme Timoun. C'était répression contre ces noirs qui font nous bataille pour les droits. Et c'était un bon policier blanc sous choual qui t'a marché sous frais noirs que c'est nous. Aux États-Unis, son bagage qui était dans la mémoire comme Timoun. Faut payer à sortir dans sa vie. Je veux dire,